clap, t'as eu la mouche. Bon, bonjour, comment ça va? Alors François, ouais. Alban, bonjour. Avec les messieurs derrière, entre autres, les messieurs, il y en a plusieurs, hein, mais derrière la Route du Rock et derrière l'association Rock Tympan qui organise la Route du Rock. Festival qui se veut être indépendant, qui se passe à Saint-Malo, tous les ans, à la fois en hiver et en été. Donc du coup, à partir du 13 août cette année. C'est ça. Et jusqu'au 16. Voilà, donc c'est 3 jours au Fort des Saints-Pères. Fort de Saint-Père. Il y a aussi une date en amont dans votre salle qui est la Nouvelle Vague. C'est tout ça. À fait, ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle de tout ça parce que moi j'ai vécu ce festival l'année dernière. Comme je dis à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est un festival pour lequel je tombais rapidement amoureux parce que la programmation, parce que le côté rock, le côté indépendant, un festival à vraiment à taille humaine. Et puis même s'il pleut, même s'il fait beau, on a chaud, ben, c'est quand même plutôt cool. Bah c'est gentil, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire du festival, donc si tu l'as ressenti comme ça, c'est bon signe. C'est vrai que ça fait 25 ans, ça va faire 25 ans. L'année prochaine, c'est ça? Ouais, alors ça c'est les fameux calculs. C'est la 25e édition. C'est la 25e édition. Comme il n'y a pas d'année zéro, ça ferait 24 ans. Mais... Ouais, mais t'as assez bien schématisé le festival, qui a d'abord une identité artistique, très clair que on va dire les musiques indé, hein, on parle souvent de nous comme la Mecque l'été, la Mecque, ouais. des musiques indé. Alors c'est quoi l'indé? C'est ce qu'on appelait avant la musique, tout ce qui regroupait un peu les musiques new wave, cold wave, et maintenant c'est pop rock électronique et c'est beaucoup plus large, lofi, folk, enfin il y a plein de styles. Ça va dans tous les sens. Ouais, mais c'est quand même un mouvement, voilà, où on peut trouver aussi du punk, du garage, enfin il y a. Mais c'est quelque chose d'un peu, à la base, underground, comme on disait, qui l'est de moins en moins parce que c'est devenu des musiques plus rentables qu'avant. Donc forcément, on trouve des groupes indés maintenant un peu partout, pas seulement à la Route du Rock. J'imagine c'est compliqué pour vous de faire venir à Cat Fire parce que ça a beau rester un groupe indé aujourd'hui dans le marketing, mais derrière, c'est devenu tellement cher que c'est ça le débat. Radiohead, Arcade Fire, c'est des groupes indés qui font partie de la famille indé, mais... Qui ne sont plus vraiment économiquement parlant. Taille du festival, c'est clair. Ouais. Et puis, c'est hors de prix pour nous. Un festival indé, mais un festival qui est aussi défricheur. Parce que notamment, tu parlais de Radiohead, mais Radiohead, tu l'avais programmé il y a très très longtemps, un des premiers concerts, je pense, dans le continent européen. Ouais, en France. C'était un beat, je crois. Il n'y avait même pas 100 personnes qui étaient venues pour les voir, parce que personne ne les connaissait. Pourtant, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ouais, c'était à Rennes en 93, dans une discothèque qui existe toujours d'ailleurs, et devant moins de 100 personnes pour la sortie de l'album Pablo Honey. C'était, je crois, leur première tournée française. Ouais, et du coup, on a eu de la chance de les avoir juste au démarrage, quoi. C'est clair qu'on peut s'en enorgueillir aujourd'hui, mais bon, faut quand même resituer le débat. À l'époque, on faisait énormément de concerts de groupes de ce style-là. Il y a Elastica, Bourradlez, Céolab, et il y a eu Radiohead aussi. Donc on a eu la chance que Radiohead, ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Mais on a enchaîné plein de groupes et on a eu de la chance. Parce que justement, après la Route du Rock, dans sa légende, son ADN, vous avez Muse à l'époque, qui n'était pas Muse d'aujourd'hui, même avant leur premier album, je crois. 89, ouais. Vous avez des groupes qui sont justement maintenant, qui explosent les charts. Et derrière, comment vous travaillez en programmation justement pour à la fois équilibrer des grands noms, des têtes d'affiche comme cette année, il y a Ratatat, il y a Björk, il y a Jungle, il y a Ron qui vont permettre de ramener vraiment du monde parce qu'ils restent populaires et ils font partie des sons qu'on écoute à la radio aujourd'hui. Mais en même temps, des petits groupes comme The Districts, il y a Forever Pavo, il y a des petits groupes comme ça que les gens ne connaissent pas forcément mais que les gens devraient aller voir parce que c'est ça aussi qui fait l'ADN du festival. Comment vous travaillez tout ça? Tu emploies en plus le bon mot, c'est vraiment ADN. C'est un mot, marrant parce que c'est un mot qu'on emploie très souvent. Parce que c'est tellement compliqué. Tout à l'heure, tu voulais qu'on décrive un peu le festival, mais c'est hyper dur parce que ça fait 20 ans qu'on essaie et c'est compliqué. Quand on a dit que c'était un rassemblement de musique indé avec des passionnés de musique indé à Saint-Malo dans un fort moment du 18e siècle, on a presque tout dit et en même temps, on n'a rien dit. Et la texture en elle-même du festival, c'est hyper, hyper compliqué. Parce que l'indé, ça ne veut plus rien dire, parce que c'est un état d'esprit avant tout. C'est des looks forcément aussi, c'est une espèce de famille. C'est des éléments un peu indicibles, quoi. Et sur le travail de programmation, on ne raisonne pas non plus en termes de tête d'affiche, découverte, etc.
pour nous, tous les groupes sont importants en soi. Il y a sur la trentaine de groupes qu'on va proposer sur les 4 jours du festival. L'intérêt, c'est la globalité de ces groupes, c'est pas les groupes pris individuellement. En fait. C'est de rester homogène et voilà, de satisfaire à tous les publics. Et rester cohérent en fait, dans ce qu'on propose, que ce soit les esthétiques. Après, c'est vrai qu'il y a quelques schémas où on aime bien terminer les soirées avec des groupes plutôt électro. Parce que entre minuit et 4h du matin, c'est plus ce type de musique qu'on a envie d'écouter. Ça permet de rapidement changer de scène et tout. C'est ça. Ouais. Et après, le travail de programmation, comme tu disais, de découverte à l'année, bah, c'est un travail de veille constant tout le temps. Quoi, d'être à l'affût de ce qui peut fonctionner chez nous, ce qui peut être disponible, ce qui peut rentrer dans nos moyens. Enfin, c'est tout ce travail sur un an, voire plus, sur certains groupes. Voilà. Bah, le plus il y a ma mère qui m'appelle. le plus dur, en fait, c'est de sur le festival, c'est de le faire évoluer sans trahir justement son ADN. Ouais. Et, parce que si on ne fait pas évoluer, on va faire un copier-coller, ça n'a aucun intérêt, ou enfin, en tout cas pas pour nous. On a des irréductibles qui, des fois, sont déçus parce qu'on ne reprend pas les mêmes schémas qu'il y a 10 ans où c'était un festival. Certains vont dire, mais attendez, à l'époque, il y avait Muse, et maintenant, bah oui, mais en même temps, le groupe de District peuvent très bien exploser demain. Il y a très peu de gens qui évoquent Muse parce que, limite, on a un public pour Muse, maintenant, c'est devenu tellement gros que... Ouais. Et puis, c'est tellement en dehors, maintenant, du milieu indé que, pour eux, c'est pas une référence de la roue du rock. C'est quoi les références de la route de rock, les gros concerts, les grosses légendes? Bah, plutôt Placebo, je pense que les premières dates de Placebo, ouais. C'est chez nous, Dominica. Bon, effectivement, il y a eu Muse qui était encore à l'époque avec Showbiz un peu indé. Mais... Bah, Showbiz n'était même pas sorti. Smashing Pumpkins aussi, je crois, mais il était déjà connu. Très très connu. Non, après, il y a des concerts mythiques, mais c'était pas forcément des groupes découvertes. Enfin, The Cure en 2005, on en parle souvent. Pour nous, c'est vraiment un grand moment. C'était la plus belle édition du festival, avec meilleure fréquentation, en direct sur Arte Télé. Robert Smith dans les loges, avec qui on a pu discuter, enfin, un mec qui nous a bercé toute notre jeunesse. C'est un festival où avant tout vous faites d'abord plaisir, avant de faire plaisir aux festivaliers, j'imagine que vous faites votre prog, vos demandes. Mais c'est un peu ça, ouais. C'est souvent ce qu'on dit de nous, c'est on se fait d'abord plaisir. Après, ouais, c'est aussi, on fait les choses par passion, donc si t'as envie de défendre des groupes, etc., faut que tu les aimes avant tout. Il n'y a pas de cynisme ou de calcul ou ce genre de choses. Si tu fais ce boulot et le fait de monter un festival, si tu ne le fais pas, si tu fais pas par envie et par passion, ça ne sert à rien de le faire. Et le but, c'est de partager ça. Donc, forcément, au début, il y a peut-être un plaisir égoïste de vouloir absolument un groupe parce que tu le trouves terrible, mais tu as envie de le partager aussi. C'est tout. Quoi. Un festival, c'est quand même une rencontre entre un artiste et un public. Quoi. Nous, on fait que faire la jonction entre les deux. Quoi. Et vous permettez à d'autres personnes, aussi bien de Bretagne, mais d'ailleurs en France, et voire même d'Angleterre ou d'autres, de s'amuser durant 3 jours dans ce fort Vauban qui est assez génial, qui a été rénové justement cette année. Ouais. Donc il y aura plein de nouvelles choses. Ouais. Il y aura plein de nouvelles choses justement. Et je pense que l'accueil sera clairement différent des années précédentes, qui a pu être un peu le défaut du festival, parce qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer des choses. Ils trouvent une critique là-dedans. Je pense que cette année, ils ont complètement raison. C'est-à-dire que justement, c'est le cheval de bataille. Cette année, c'est de, en dehors évidemment d'avoir une belle programmation, comme tous les ans, j'oserais dire. Et puis là, cette année, on a vraiment avec Björk un événement. Parce qu'elle ne fera pas son concert directement, elle fera quelque chose autre que. Qu'on entend dire, c'est qu'elle va vraiment mettre en place un vrai truc par rapport à cette scène, par rapport à son concert, c'est ça, non? Ah bah t'en sais plus que nous. Ah bon? Ah, dans les contrats, c'était pas indiqué, vous avez pas lu. Il n'y a pas de. On sait quelques éléments, mais après on ne va pas tout dévoiler parce qu'il y a un peu de magie dans le show à venir. Donc ça va être vraiment très beau, très spectaculaire, j'imagine aussi. Donc, il y a 18 musiciens quand même sur scène. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle ait prévu quelque chose de spécifique chez nous. Mais qui sera peut-être spécifique justement pour la scène de la route du rock, qui n'est pas habitué à avoir ce genre d'artiste aussi extravagant. Oh, on en a quelques-uns quand même, mais bon là c'est une légende, c'est différent, ouais, c'est vrai, et puis elle est assez rare, donc c'est exceptionnel, on en est très fiers, c'est qu'elle est,
qu'elle ait choisi entre guillemets le festival. Parce qu'elle a choisi le festival. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Après, non plus, je pense. Hein, c'est entre les relations agents. Après, c'est vrai qu'elle est très attentive à l'endroit où elle va jouer, avec qui elle va jouer, sur le reste de l'affiche, etc. Donc, forcément, à un moment, si ce n'est pas elle, son manager, qui a choisi l'événement. Donc, elle a été bien conseillée, en tout cas. L'agent connaissait déjà, son agent anglais connaissait déjà le festival, parce qu'on avait déjà eu des groupes avec lui. Ouais. Donc, on est quand même reconnu aussi. Internationalement. Oui. Voilà. Ça, c'est une certitude. Oui. Les agents anglais, qui sont les têtes de pont des agents américains, et c'est eux qui filtrent un peu qui font le filtre entre les groupes et l'Europe, ils nous connaissent. Ouais. C'est-à-dire, on est un événement maintenant. On fait partie de la carte des festivals indés où Björk a toute sa place. Ouais. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé, si l'agent lui propose plusieurs dates et c'est elle qui regarde plus dans le détail ou qui regarde le reste de la programmation. Ça a été assez rapide, ça veut dire qu'elle n'a pas hésité longtemps. Moi, pour l'avoir vu en concert, c'est une vraie expérience. Je ne suis pas spécialement fan de sa musique, mais c'est vrai qu'en concert, c'est toujours une expérience. Les curieux ne seront pas déçus, je pense. Ouais. Alors moi, j'ai envie de parler aussi, c'est de la plage Bon Secours, parce que c'est une particularité du festival. C'est qu'en plus de ces trois jours au fort, dans un fort Bourbon, comme je disais, il y a cette plage Bon Secours. Donc Saint-Malo, la ville même, est mise en avant. C'est des concerts gratuits. Tout le monde peut venir et découvrir justement des artistes vraiment petits, pas forcément connus, pas forcément reconnus, mais qui peuvent l'être demain. Et c'est une plage qui est quand même super sympa, avec les presqu'îles ou les îles qui sont en face, je ne sais pas comment dire. C'est le grand B et petit B. Ouais, voilà, c'est, exactement. On a fait François Atlas Mountains il y a 2 ans par exemple. Ah ouais. Ouais. Après l'idée c'était, comme tu disais, le fort de Saint-Pierre est magnifique, il est quand même un peu excentré de Saint-Malo, il y a une dizaine de kilomètres. Du festival à l'après-midi à la plage et le soir vous allez concernant fort. C'est exactement ça. Et à un moment on s'est dit pourquoi pas accompagner le public l'après-midi sur la plage et puis d'avoir vraiment quelque chose qui se déroule vraiment sur Saint-Malo. Même l'idée de faire des concerts le soir dans des bars, etc., c'était pas hors de question pour nous, parce qu'on n'avait pas faire quelque chose en face du fort de Saint-Père. Donc, l'idée c'était de faire un truc l'après-midi et puis sur la plage où le public était et faire quelque chose de gratuit pour avoir aussi des curieux qui découvrent un peu l'esprit et puis du festival. Donc ce qui est marrant sur cette plage, il y a à la fois les touristes, à la fois le public du festival, à la fois les familles qui viennent juste à la plage. Donc il y a une cohabitation. Il faut qu'ils profitent de la marée basse pour sortir un peu et mettre les pieds dans l'eau. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que tu parlais du cadre, c'est vrai que les groupes jouent face à la mer, au Grand Bœuf, au tombeau de Châteaubriand. Face à Dinard. Face à Dinard. Ouais. L'année dernière, j'ai pu voir Pégase, j'étais sur la grande île à Bombay. C'est vrai qu'on l'entend de loin et on revient après, on voit ça, c'est assez exceptionnel. La musique est déjà plutôt exceptionnelle et quand on découvre ça avec le gros soleil, ciel bleu, parce qu'en Bretagne, il fait beau, bien sûr. Bah, exactement. Pas dire le contraire. Mais oui, bien sûr. Justement, tu parlais de travaux tout à l'heure, on les a fait parce que l'année dernière il y a encore eu encore un peu de pluie et que ça donnait de la boue. Et c'était le problème du festival, c'est-à-dire qu'il pleut pas plus qu'ailleurs à la Roudura. C'est juste que quand il pleut, ça restait, puisqu'il n'y avait pas de drainage. Donc l'eau ne s'évacuait pas et ça faisait de la boue. C'est ce qui a fait un peu cette mauvaise légende du festival. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu des travaux. Et je voulais juste poursuivre là-dessus. On voulait améliorer des choses aussi, profiter justement de ce confort nouveau pour le spectateur, pour améliorer quelque chose où on était un petit peu en retard par rapport à d'autres événements, c'est l'accueil du public, on avait des manquements. Donc là, cette année, on va essayer de mettre beaucoup de force dans l'accueil, dans le confort du public, avec plus de sanitaires, des trucs pas glamour, mais des trucs qu'on sait qu'on pêche. Donc des choses pour que les gens soient abrités s'il y a trop de soleil, qu'ils puissent s'asseoir pour boire un coup, manger. On va essayer d'accélérer niveau confort, parce que c'est le seul truc... C'est une obligation Non, mais sur le sanitaire, oui. C'est, oui, c'est sûr, bien sûr. Oui, mais on a pris du retard, voilà, faute de moyens, faute de logistique.
Là maintenant on veut vraiment enclencher et aller un peu plus loin parce qu'on sait qu'on est, on n'est pas bon à ce niveau-là. Parce que bon, pour comprendre, le festival fait entre 25 et 30 000 personnes par édition, plus ou moins, parce qu'il y a des éditions qui sont moins bonnes que d'autres. Ouais. Mais en tout cas, là vous tablez, vous avez vendu beaucoup de billets déjà? Vous espérez On va faire, je pense, on peut raisonnablement l'espérer, ouais. On est un petit peu en avance par l'année dernière, par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, c'était déjà une très belle édition, puisque à 1000 billets près, on battait le record de 2005. Après, on n'est pas là pour battre des records, mais bon, c'est vrai que symboliquement. C'est toujours bon signe. Oui, c'est un signe de santé, de bonne santé du festival, ouais. Parce qu'au final, vous êtes donc du coup une association à la base, Croque Tympan. Vous travaillez sur ce festival été-hiver, mais vous avez aussi une salle, vous avez un système de booking. Et donc, du coup, ces trois pieds qui permettent de créer justement l'ensemble sont relativement fragiles. Dans un univers qui est indé, même si ça ramène de l'argent, les groupes indés, dès qu'ils grossissent, vont directement ailleurs. Comment vous réussissez à faire tout ce travail à l'année, au quotidien, et de réussir à toujours être dans l'équilibre, parce que vous êtes dans un secteur qui est quand même c'est très dangereux. Quoi, la salle, c'est un peu autre chose, parce que la salle, on est en délégation de service public, donc c'est pas un projet route du rock, on va dire. C'est vraiment un... au service de la ville de Saint-Malo nos compétences professionnelles d'organisateur de concerts pour développer la salle qu'on a rebaptisée la Nouvelle Vague en 2012. Et là, on a une programmation où évidemment on n'exclut pas d'y faire des trucs indés, on en a fait beaucoup, mais pas seulement. Il y a de tout, on est en service public, entre guillemets, donc il va y avoir la programmation qu'on peut retrouver dans beaucoup de salles de concerts françaises. Par contre, après, oui, sur la partie route du rock pur, il y a le booking qu'on a développé en 2006-2007 et qui prend de l'ampleur depuis un an ou deux. Alors le booking, centaine d'artistes. Pour comprendre, ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, ça consiste en quoi? En fait, c'est chaque groupe a un représentant sur les différents territoires. Et donc, on s'occupe à peu près de 80 groupes en France. Pour s'occuper des tournées, faire tourner ces groupes-là. Pas forcément qu'à Saint-Malo ou en Bretagne. Sur toute la France. Le 31 juillet, il y a une soirée, je crois, sur Paris. Trabendo, oui. Trabendo. Un groupe qui est représenté, qui s'appelle Monde, des petits espagnols, qui fait partie du catalogue de la Route du Rhum. C'est Pierre chez nous là, qui chapeaute tout ça. C'est à la fois un travail intéressant. C'est vrai qu'en fait, l'idée de faire du booking, elle est venue par le festival, parce qu'il y avait des groupes qui n'avaient pas de représentants en France. On voulait faire jouer au festival. Et après, donc, les groupes profitaient un petit peu de l'exposition de la Route du Rock pour trouver un tourneur en France. Et après un moment, on s'est dit que bon, c'est peut-être l'occasion, l'occasion de bénéficier un peu de notre travail à la suite des découvertes qu'on faisait sur le festival. Et c'est monté comme ça. Et après, un retour sur investissement. Investissement, on va dire. Et puis après, c'est tout le travail de Pierre, après, de avoir la confiance des agents et pouvoir aussi que le catalogue grossisse. Et puis que à la fois les agents étrangers et que les salles françaises nous fassent confiance aussi sur ce travail-là. Et là, ça prend. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a biberonné cette partie booking sous l'aile du festival, parce que financièrement c'est une activité qui n'était pas rentable dès le début, on sait bien que le booking c'est compliqué. Et puis petit à petit, des choses qu'on prenait en charge, on les prend moins en moins en charge, donc c'est le booking qui les autogère. Et petit à petit, le booking est en train de trouver son équilibre, ce qui veut dire que le travail commence à payer, il y a de plus en plus de concerts, il y a de plus en plus de jolis noms, il y a donc du coup avec des cachets plus importants pour rentabiliser l'agence, entre guillemets, Booking. Et on est plutôt en plein développement, c'est très positif. Donc, plein de projets. Ouais, sur le Booking, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal et on sait que c'est de longue haleine, donc maintenant il faut continuer. Et puis après, tout s'inter... tout bénéficie à l'un et à l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des artistes sur le booking, forcément on peut les faire en concert sur le festival, sur le festival on peut aussi découvrir des choses comme des albums qu'on va prendre en booking. Du coup on s'adresse souvent à des agents qui sont un peu les mêmes, hein. c'est pas non plus un grand monde, et du coup la confiance vient des deux côtés pour eux, c'est-à-dire on développe leurs artistes sur le booking, donc ils disent « Ah ouais, ils travaillent bien mon artiste ». Et en plus, de temps en temps, ils font des groupes de chez nous sur le festival.
on devient des interlocuteurs sérieux pour eux. Et donc du coup, le festival et le booking s'auto-servent, entre guillemets. Ce qui est plutôt une bonne idée, hein, et qui est plutôt sain. Ouais. Et que vous gardez forcément cette valeur indépendante, vous n'êtes pas racheté par des grands groupes de musique. Et puis vous permettez de faire découvrir vraiment avant tout une musique faite avec passion, avec envie, en dehors de tout standard marketing pop. Ouais. Voilà. Moi j'ai fini mon verre. On va en boire un prochain éventuellement le week-end du 15 août pour le festival. Avec plaisir. Où je pourrai éventuellement parler à la fois du camping, des bénévoles et de tout ce qui concerne tout ce qui est autour de la route du rock, parce qu'il y a tellement de choses. Parce qu'on en a parlé de quelque chose, mais il y a tellement de choses importantes. Il y aura le système cashless aussi, parce que cette année on va passer au cashless aussi. Donc on se retrouve dans un mois et demi. Ok, salut. Merci, c'est cool. Merci. Ciao. Rendez-vous à Saint-Malo.